pas, lui, c'est mort. Hé hey, faut faire notre intro. On tourne. Toronto, jour 2, les amis, on est tous là. Bon appétit, Julien. Hein, bonne fin d'appétit. Il fait semblant de pas trop manger, mais il est en train de prendre son petit-déj. Et Dijon-Lyon, en passant par Manicourt. On commence par un petit brouillard. On commence par le petit brouillard. Je pense que là, on est quand même pas mal. Et puis après, ben, on va descendre vers Manicourt, essayer de trouver soit une spéciale, soit un petit spot, tranquillou. Ouais. Et puis voilà, continuer la journée comme d'habitude. On vous emmène avec nous, toujours dans le X5. On a les copains qui sont là. Les on a une jolie 330D. On a la MX5 qui est toujours là et la Mini. Des loulous qui est en train d'être stické, on fait les finitions et puis on reprend la route. Let's go. On a trouvé un petit spot sympa dans un petit village un peu cool pour faire 2-3 images et là on reprend la route toujours en direction du déjeuner ou du circuit de Manicourt, je sais pas lequel vient en premier, mais en tout cas on reprend la route et vous êtes toujours avec nous et on est reparti. Le soleil se lève un peu, deuxième petit spot, on a Hugo en sniper là-bas, Julien qui est juste ici, et le X5 qui nous attend sagement, c'est pas mal. Ça s'est levé, pour nous c'est direction Manicourt directement, on a chanté la spéciale du matin et là on a de la nationale, de la départementale qui déroule pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour faire tomber un petit peu la note de gasoil et gagner un petit peu de conso, donc mode éco pro, et on va voir si nos 10 litres 3 en roulant bien hier peuvent tomber et améliorer un petit peu notre score de conso sur ce tour auto, ce qui est rarement fait d'habitude. Let's go. Bon app. Allez, objectif 10 litres ou 9 litres 9 si on peut en arriver à Manicourt. Manicourt, ça faisait un moment hein. Ouais, ça faisait 2 jours. C'est un bail, ouais, 2 jours, un truc comme ça. C'est long, c'est très long. Eh ouais. Bon résultat, 10 litres. Hein. Voilà. 10 litres au 100 depuis hier, alors que ça roule quand même pas mal.
Moi, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même un destrier très très cool pour le tour auto, ce petit X5 M50D. Mmh. On va se garer, et puis cet après-midi, c'est un petit peu Manicourt, et puis on reprend la route direction Lyon. Allez, on en a fini avec Manicourt et cet après-midi, je vais tester un nouveau format. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez si ça vous plaît. Je vais vous embarquer avec moi, beaucoup avec l'Action Cam, vous mettre à la place de mes yeux sur cette fin de journée et j'ai vraiment envie de faire ça aussi demain. Mais je voulais commencer aujourd'hui parce qu'on n'a pas de circuit demain et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait sur circuit. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et à vous abonner. Déjà, les amis, la vidéo n'est pas finie. Je vous embarque avec moi, direction Lyon, beaucoup de routes, c'est parti. Direction Saint-Paris-le-Châtel. Allez, let's go, c'est parti. Heureux. L'avantage avec le nouveau X5, c'est qu'on a un assistant de marche arrière dont je vous parlais sur l'essai. Vous sélectionnez la marche arrière, juste comme ça, hop, assistant de recul. Et la voiture va mémoriser pendant des jours indéfinis les 50 derniers mètres qu'elle a parcouru en marche avant et peut les recréer entièrement assistée en marche arrière. On va faire le test de suite. Je touche qu'à l'accélérateur et au frein et la voiture fait tout toute seule, regardez, hop. Hugo derrière assure. Et voilà, et c'est fait. Et c'est jusqu'à 9 km/h. Venez vous garer si vous voulez. Ici c'est vraiment cool. Là derrière ? Ouais, tu vois, il y a la 1005, tu vas la voir. Ça roule.
reste Nico. Ouais, c'est pour ça que j'ai un peu plus. Ma, c'est mignon ça, putain. Allez, pas de spécial, plutôt la fin de spécial, dernier spot improvisé de la journée. On termine la journée ici avec le coucher de soleil et la CSL de Jean-Claude Basso. Fin de journée, la M1 est passée, Hugo est content, c'est super chouette. Du coup on remballe maintenant parce que on a perdu la lumière, on n'a plus de soleil, on n'a plus rien. Arrêtez de dire des bêtises, j'aimerais bien terminer ma vidéo les amis. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo complètement à l'arrache. J'espère surtout que je vais avoir le temps de vous la monter et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Dernier format avec les collègues du Tour Auto, après on passe sur autre chose, je vous en dirai plus demain, ciao. C'est juste la folie, les amis. Allez, à plus.